Salut à tous mes petits amis, soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube Morgan du Masgré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est une vidéo unboxing sur le steelbook 4K édition Fnac du film Ant-Man et la Guêpe. Donc, c'est le seul film Marvel que j'ai pas encore vu. Franchement, je l'ai pas encore vu celui-là. Il me tentait pas vraiment. Je me suis dit, bah, je vais me l'acheter en steelbook pour compléter ma collection en steelbook et ma collection également, bah, steelbook Marvel. Donc l'édition Fnac comporte toujours ben, le petit livret hein, d'une centaine de pages à peu près. Donc allez, c'est parti, hein, on va déballer tout ceci. Donc c'est bien sûr l'édition Steelbook 4K. Hein. Donc vous avez Steelbook 2D et 3D et après vous avez ben, Steelbook 2D et 4K. Donc ben, maintenant, ben, moi je me mets à la 4K depuis un petit moment déjà. Donc allez, c'est parti, on déballe tout ceci. Allez, hop, hop, hop. Parce que là, hein, vu que je l'ai pas encore vu, eh ben on va regarder, hein. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve déjà avec hop, le steelbook qui se trouve ici. Alors, franchement, il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Donc là, c'est l'aventure, c'est la guêpe. Donc on a la guêpe en tout petit, 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 petit. J'ai fait une putain de mise au point comme la dernière fois, voilà. Donc on a la guêpe qui se trouve ici. Et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Voilà. Et qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et so sexy, hein, les gars. Donc non, franchement, le steelbook, il est plutôt sympa. Et le dernier, bon, on se retrouve avec pareil, mais avec Ant-Man. Et c'est sympa. Voilà. Donc sur la tranche, on se retrouve toujours avec les putains de portraits. Des visages, de bras, on s'en tape, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, à l'intérieur, oh, les CD tiennent déjà pas en place, donc on se retrouve avec bah, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Tellement pressé de le regarder que les CD se sont envolés tout seuls, quoi. Et ici, bah, on se retrouve avec bah, Ant-Man, la guêpe, une fourmi volante, hein. Non, franchement, il est sympa. Franchement, il est sympa. Donc, franchement, je l'ai pas vu le film. Enfin, franchement, c'était Abondance qui me tentait vraiment pas du tout le film. Je sais même pas s'il y a un nouveau costume ou quoi. À première vue, il y a le même costume que dans le 1. Et alors, c'est marrant parce que s'il y a le même costume que dans le 1, c'est-à-dire qu'il change de costume régulièrement. Parce que dans le 1, il y avait le même costume. Et dans Civil War, il n'y avait pas le. Bah, il y avait déjà pas le même casque. Et il n'y avait pas cette tenue-là encore. Donc là, à mon avis, la tenue du premier film est encore un petit peu améliorée, je pense. Hop. Et ici, ben, on se retrouve avec le petit livret hein, du film. Qui nous explique, en fait, c'est un peu le making-of du film, en fait, en livre. Donc il n'y a que le Fnac qui propose ces fameux livres. Et franchement, ils sont vraiment sympas à lire. Franchement. Bon, depuis qu'ils ont lancé les steelbooks édition spéciale Fnac, franchement, j'en suis pas déçu des livres. Hop. Et hop, bah, il va trouver sa place, ma bah, pile ici. J'avais fait déjà sa place. Tac. Donc j'ai laissé toute ma rangée film Marvel avec une bonne partie des steelbooks Marvel. Hein. Commence de Avenger, l'ère d'Ultron à bah, Ant-Man 2, puis après il y a tout ce qui est Deadpool, Logan, X-Men, etc. Donc voilà, ça continue à compléter ma collection steelbook hein, parce que j'ai une rangée ici complète de steelbook, encore une rangée ici et encore une rangée en bas. Et puis voilà, c'est lui. Donc moi je vais à très bientôt. Allez, salut!